Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème. Ces mots les plus importants pour vous, eh bien, peut-être il y a un message important, quelque chose que vous devez savoir. On va voir la guidance des cartes. Eh bien, pensez un petit peu à vous, posez vos questions. Peut-être on va voir les réponses maintenant. Eh bien, et alors, vous savez, je vois tout de suite l'énergie de quelqu'un, un homme probablement, qui souhaite vous parler, mais déjà depuis un moment, il se précipite dans votre vie. Vraiment, une carte de rapidité pour justement vous passer un message, avoir une discussion avec vous, et bien, et alors vous savez, c'est un petit peu la guidance angélique, peut-être vraiment c'est pour lui, c'est votre rencontre, votre personnalité, c'est un petit peu comme votre destin, il voit de cette façon votre rencontre, donc voilà, et bien, et vous savez aussi un accent qu'il souhaite trouver une certaine harmonie, peut-être après cette discussion, donc avec vous, et alors, il souhaite tout simplement parler de son amour parce que, vous voyez, il est vraiment dans les nuages. Vous devez savoir tellement il y a des sentiments et rêves par rapport à vous. Vous savez, déjà, j'ai vu trois cartes et sur trois cartes, il y a comme la personnalité d'un homme. Donc, voilà, un indice sur un homme en particulier. Donc voilà, et quel message je souhaite vous dire déjà, premièrement, parler de ses sentiments, de ses rêves par rapport à votre futur. Regardez quand même une très belle carte d'amour. Vous savez, c'est quand il y a l'amour profond, mais il y en a tellement de sentiments, émotions qu'il ressent vis-à-vis de vous que ça déborde. Vous voyez vraiment cette coupe, donc il y a l'énergie qui déborde. C'est impossible de le cacher, tellement c'est important. Donc, dans la vie de monsieur, et peut-être, attention, il aura peut-être la déclaration d'amour prochainement, et bien, et vous savez aussi, donc la carte d'un nouveau départ, mais en même temps, un petit projet qui lui donne envie, énergie, peut-être, et vraiment, il souhaite vous proposer quelque chose, comme un nouveau, déjà un nouveau départ dans votre relation, donc voilà, et peut-être quelque chose, une proposition qui vraiment, il a envie de réaliser quelque chose avec vous, et bien, mais vous savez, en même temps, il y a en ce moment, un peu d'attente, donc peut-être par rapport à votre futur, par rapport à cette rencontre. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, il attend tout simplement un bon moment. Donc là, ici, j'ai un accent sur éventuellement une fête qui peut être organisée. Et vous savez aussi, quand on pose les questions par rapport à ce message le plus important, vous savez, c'est la carte de stabilité dans votre relation. C'est ce qu'il souhaite avoir donc dans le futur. Le message que vous souhaitez passé, vous savez, c'est une carte qui montre de quand votre relation se stabilise, vous pouvez vous installer ensemble, mais peut-être pour d'autres personnes, ça peut être vraiment le mariage qui vous attend, et ça, c'est vraiment le message de monsieur pour vous. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, vous savez, j'ai encore un indice sur cet événement parce que c'est la carte l'impératrice. Vous savez, l'impératrice, c'est une femme qui est exceptionnelle, et vraiment, elle peut avoir à l'intérieur d'elle comme quatre reines, quatre énergies différentes. Donc voilà, et en général, sa personnalité n'est quelque chose unique qui la différencie des autres. C'est un symbole de féminité, beauté, plaisir, donc attirance sensuelle également. Et en général, la carte de résultat, je pense que monsieur, ce message pour vous, il vous voit de cette façon, cette personne unique, exceptionnelle. Donc voilà, vers qui il a énormément de sentiments. Et vous savez, c'est aussi en même temps, c'est la femme qu'on épouse, c'est la femme qui a un statut. Et même là, ici, on voit un accent aussi sur la grossesse. Donc peut-être c'est ça, ce message le plus important pour vous, qu'il vous voit de cette façon, cette femme exceptionnelle qu'il souhaite avoir donc dans sa vie et avoir avec vous la situation stable. Donc voilà, et bien. Et vous savez aussi, il souhaite avoir avec vous le développement en général dans votre vie. Quand il y a aussi cette réussite, toujours un accent sur la stabilité, que petit à petit, vous avancez dans le futur, dans vos projets, vous réalisez cela, et donc voilà, et bien, et vous avez ce confort et stabilité dans le futur, et regardez la carte, le soleil, mais bien sûr, c'est-à-dire que, messieurs, son message, quand elle souhaite retrouver avec vous, mais les sensations globales, positives, des bonnes émotions, sentiments, c'est la carte de succès, c'est la meilleure carte dans le tarot, la carte le soleil, donc voilà, vous savez, c'est un indice sur le bonheur total, quand la personne est vraiment
satisfaite dans sa vie, dans ses sentiments, la réalisation, dans tout, absolument tout dans sa vie. C'est aussi un indice sur les vacances. Eh bien, peut-être aussi c'est un projet de monsieur, passer du temps avec vous agréablement. Donc voilà. Et en ce moment, il est absolument seul. Il se sent vraiment seul. Il est en manque par rapport à vous. Vous devez le savoir. C'est pour ça qu'il y a autant de rêves et projets donc par rapport à vous. Et regardez alors, vous savez, la carte l'étoile, ça me montre quand même que pour lui, vous êtes comme son idéal. Vous savez, peut-être vraiment, nous avons vu cette personnalité, la femme un petit peu exceptionnelle, et peut-être il rêve déjà depuis longtemps de cette relation avec vous, de cette personne. Donc voilà, vous êtes comme son idéal. Et peut-être même, vous pouvez réaliser son rêve dans le futur, le rêve le plus profond. Et regardez, alors j'ai un accent aussi sur madame, c'est une femme qu'on aime. Donc voilà, c'est une femme qui est très romantique, vous pouvez être un petit peu sensible, vous pouvez inspirer monsieur en général, de lui apporter des bonnes émotions, sentiments, donc l'amour, donc vraiment vous l'apportez tout cela, et donc ça le bouleverse positivement. C'est pour ça il a autant de rêves également. Donc voilà, et bien vous pouvez aussi avoir l'intuition qui est très bien développée. Et un petit indice pour vous, que vous devez suivre votre intuition. Et vous savez, en ce moment monsieur, il fait comme une stratégie, un plan par rapport au futur. Vous devez savoir qu'il pense beaucoup à vous, donc ça le préoccupe énormément. Et vraiment, c'est quelqu'un en même temps qui est très intelligent. Et vous savez, peut-être aussi, il n'a pas l'habitude d'avoir ses sentiments. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu en attente. Peut-être il n'ose pas vraiment de se présenter et parler de ses sentiments. Donc voilà, parce que c'est un petit peu la personnalité de quelqu'un qui ne suit pas ses sentiments. C'est plutôt la logique. Donc voilà, mais il a quand même beaucoup de sentiments. Et vous savez, son message aussi pour vous, c'est quand il souhaite quitter le passé. Donc vraiment, tout ce qui peut-être ses inquiétudes, si il a eu cette attente, c'est possible. Il souhaite vraiment réaliser les projets avec vous dans le futur. Il voit votre futur ensemble. Mais en ce moment, il y a beaucoup de tristesse. Je pense que j'ai un indice ici que peut-être vous n'êtes pas ensemble. Donc c'est possible. C'est pour ça la première carte. Nous avons vu que monsieur, il souhaite vraiment venir dans votre vie. Donc voilà, il y a une certaine tristesse qui ressent monsieur. Donc voilà. Mais tout n'est pas perdu. C'est possible d'évoluer votre relation. Et bien, quelle sera l'évolution? Alors préparez-vous à voir les nouvelles rapides. Vous savez, vous pouvez avoir donc les nouvelles messages, communication, peut-être un appel, ou peut-être monsieur, il va venir très rapidement dans votre vie. C'est possible. Vraiment la carte de communication, la carte de passion également. Et bien peut-être vraiment ce message que monsieur, il est vraiment, il ressent la passion par rapport à vous. Et vous savez aussi par rapport à cela, il ne dort pas la nuit. Il y a tellement de pensées par rapport à vous, votre futur, votre situation, la passion également, la sensation que monsieur ne dort pas la nuit. Vous devez le savoir. Mais regardez, j'ai un indice parce que, pourquoi? Parce qu'il y a plein de sentiments et lui, ce qu'il souhaite, venir comme ça dans votre vie, se présenter avec les roses. Donc c'est possible. Donc voilà. Et peut-être que tout change. Donc voilà, commencer votre relation, qu'il y a l'évolution également, être romantique avec vous, de vous faire des compliments, vous entourer de son attention. Donc voilà, c'est en même temps, je vois quand même qu'ici, la personnalité de quelqu'un, peut-être qui n'a pas l'habitude de montrer ses sentiments. Donc voilà, mais en même temps, il souhaite développer cela, ce côté, et voilà, et transformation. Justement, j'ai un accent que peut-être en ce moment, il y a une certaine transformation dans sa vie. Peut-être il a évolué quelque chose, donc il y a les idées, les pensées par rapport à votre futur. Donc voilà, mais il y a une grande transformation et même il souhaite que votre vie évolue, que ça ne s'arrête pas tout simplement entre vous, mais il y a une évolution assez importante. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, vous savez, il y a beaucoup de sentiments de nostalgie, des bonnes pensées par rapport à votre passé, peut-être votre première rencontre, vous savez. Il pense à tous les détails, par rapport à tout ce que vous avez eu dans votre passé, votre relation, peut-être la première rencontre, mais absolument tout. Et ça lui donne des moments positifs de nostalgie. Alors, l'attirance incroyable, la carte du diable, vous savez, c'est quand vraiment il y a un attachement. Donc, cette tentation, vous savez, c'est la carte de passion, c'est quand vraiment la personne, il pense mais tout le temps à vous, il y a plein de rêves.
sexuelle et légalement. Donc voilà, la tentation totale dans votre ville souhaite même donc peut-être vous posséder. Donc c'est possible, mais vraiment une très forte carte qui montre vraiment qu'il ressent la passion par rapport à vous. Il souhaite aussi donc développer votre relation et trouver une certaine satisfaction que enfin que votre vie évolue et vous avez enfin le résultat. Donc ça, c'est très très important pour lui. Donc voilà, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez aussi un accent sur quand même le destin, parce que il pense que vraiment votre rencontre, c'est quelque chose de très important, et enfin il souhaite trouver une certaine balance donc dans votre relation, avancer dans le futur, avoir le résultat. Il pense que il mérite cela, vous méritez dans votre couple d'avoir ce résultat. Vous savez, c'est aussi un accent toujours sur une relation officielle. Donc, nous avons vu ici plusieurs cartes. Donc, le mariage, nous avons vu la carte l'impératrice, une femme qu'une épouse, et toujours un accent sur l'officialisation de votre relation. Donc, c'est possible. Eh bien, on va voir quel sera le résultat. Et alors, j'adore parce que, regardez, c'est vraiment la carte qui me montre que vous pouvez prendre un grand engagement. Mais vous savez, c'est quand une étape dans notre vie se termine, un cycle, et on commence quelque chose de nouveau, mais global. Par exemple, si vous étiez éloignés l'un de l'autre, alors vous êtes ensemble prochainement, vous prenez un grand engagement, vous pouvez vous installer ensemble, ça peut être vraiment le mariage également, la naissance des enfants, c'est possible. Vous savez, c'est toutes les grandes étapes dans notre vie, quand vraiment on clôture quelque chose, il y a cette renaissance, et donc voilà un grand résultat. Incroyable, donc c'est ça. Et bien, et vous savez, il y aura un peu de concurrence, mais c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous devons savoir? J'ai tout de suite deux cartes. Et bien, vous savez, premièrement, déjà, messieurs, peut-être il se bat pour vous montrer qu'il est amoureux. Donc, voyez, donc là, ici, j'ai quand même un indice, un homme qui a énormément de sentiments par rapport à vous. Donc, l'amour, il va se battre pour montrer cela. Et la carte d'engagement, vous savez, quand déjà il a pris une solution, donc là, ici, on voit qu'il y avait plein de pensées et enfin, la décision a été prise. Donc, ça peut être vraiment un grand engagement qui vous attend dans le futur. Donc, voilà son message le plus important pour vous. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, la carte de prospérité, vous savez, quand vraiment vous vous faites plaisir dans la vie, quand déjà vous avez le confort, le résultat, donc voilà, quand par exemple votre couple, donc vous avez cette stabilité, et quand vous prenez le plaisir dans votre vie, vous savez, c'est aussi un indice peut-être pour que monsieur se réalise que dans son travail, il a aussi cette réussite qu'il souhaite partager avec vous. Vous savez, dans le tarot classique, cette carte, ça montre une femme qui a ce confort, prospérité, et quand il peut se permettre beaucoup de choses, mais dans cette relation, dans la relation avec monsieur, qui peut lui apporter donc tout cela, mais en général, une très belle carte déjà de résultats dans notre vie en général, quand on peut se permettre beaucoup de choses, eh bien, j'ai deux cartes tout de suite. Mais vous savez, j'ai aussi un indice que madame, peut-être en ce moment, vous ne voyez pas ce futur et vous êtes un petit peu indifférente. Donc voilà, et peut-être le résultat pour vous, il faut trouver une certaine harmonie, peut-être il y aura le choix dans votre vie prochaine. Et j'ai aussi un accent qu'il y a des belles choses autour de vous, vraiment quelque chose que vous pouvez profiter. Vous ne devez pas oublier cela. Il faut vraiment voir des perspectives. Il ne faut pas être un petit peu en état d'apathie. Mais je vois quand même un accent sur l'harmonie que vous pouvez trouver. Et vous savez aussi, une période difficile, si vous avez eu dans votre couple, il se termine, vous devez le savoir. Et bien, encore quelques cartes. Qu'est-ce qui vous attend? Mais regardez, j'adore, c'est la carte de prospérité. C'est vraiment magnifique. Ça me donne encore un indice sur la création de la famille, les enfants que vous pouvez avoir, quand vraiment vous profitez de la vie. C'est aussi un indice sur la prospérité, le résultat que vous avez, le côté financier qui est développé. Ça peut être aussi un achat immobilier que vous faites quand vous vous installez ensemble et vraiment vous profitez de la vie. Et vous savez aussi un autre indice par rapport à cette carte, quand peut-être vous avez trouvé votre âme sœur et vraiment vous vous faites confiance, il y a des bons sentiments et vous souhaitez passer votre vie avec cette personne. Tellement c'est important, et eh bien peut-être vraiment c'est le message pour vous de monsieur. Nous avons vu dès le départ qu'il y a bien des sentiments, il vous voit quelqu'un exceptionnel, donc il y a plein de perspectives. Vraiment, il souhaite réaliser son rêve le plus important, peut-être dans sa vie. Et eh bien, il y a aussi énormément de tentations, vous devez le savoir par rapport à vous. Et eh bien, je vais voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter. Et alors, j'adore parce que, mais faites-vous plaisir, c'est vraiment la carte. Quand on
réalise nos souhaits, nos envies, désirs, vraiment la carte de positivité. Voyez vraiment la personne, elle est très heureuse. C'est comme un sentiment d'euphorie. Et vous savez, premièrement, c'est un accent sur les sentiments, des émotions positives que vous avez en général. Vous devez être orienté vers cela. Donc voilà que vraiment dans le futur, vous pouvez réaliser vos souhaits et être absolument content dans votre vie. Et aussi, on voit quand même que vous trouvez un petit peu votre trésor également dans votre vie. Ça peut être donc éventuellement que vous avez cette réussite, oui, mais quelque chose, mais important. Donc c'est toujours un accent sur quelque chose, un rêve profond que vous avez. Eh bien, peut-être la vie va vous donner cela. Vous devez, et toujours un accent qu'il faut rêver et peut-être même essayer de réaliser plusieurs choses. Et donc là, ici, sur cette carte, on voit, c'est pas tout simplement un souhait, mais plusieurs, peut-être, vraiment, on voit ici que vous commencez cette relation, c'est possible, et petit à petit, vous avancez, les sentiments se développent, donc voilà, vous avez cette passion entre vous, et petit à petit, vous réalisez vos projets, stabilisation de votre couple, vous savez, ça avance, donc, dans votre vie, et d'autres choses vont venir forcément, quand vraiment, vous avez plein de choses que vous pouvez réaliser, donc, vos désirs, souhaits, et ça vous donne énormément de plaisir. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, réalisez vos rêves et bien sûr, le destin vous appartient.